du verset 1. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Luke chapter 4. Luc chapitre 4. From verse 1. À partir du verset 1. And we're going to read the word. Et nous lisons la parole. Are you ready? Est-ce que vous y êtes? Luke 4 from verse 1. Luc 4 verset 1. Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them he was hungry. The devil said to him, "If you are the Son of God, tell this stone to become bread." Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone." The devil led him up to a high place and showed him in an instant all the kingdom of the world. And he said to him, "I will give you all the authority and splendor. It has been given to me, and I can give it to anyone I want to. If you worship me, it will all be yours." Jesus answered, "It is written, worship the Lord your God and serve him only." The devil led him to Jerusalem and had him stand on the highest point of the temple. "If you are the Son of God," he said, "throw yourself down from here, for it is written, he will command his angels concerning you to guard you carefully. They will lift you up in their hand so that you will not strike your foot against a stone." Jesus answered, "It is said, do not put the Lord your God to the test." When the devil had finished all his tempting, he left him until an opportune time. Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit, and news about him spread through the whole countryside. He was teaching in synagogues, and everyone praised him. Father, I thank you. Père, je te remercie. Your word is powerful. Ta parole est puissante. Your word is life. Ta parole est vie. Your word is truth. Ta parole est vérité. As this word will be released, pendant que cette parole sera prêchée, let your power, que ta puissance, rest upon us, demeure sur nous. Come and visit your people. Viens visiter ton come peuple. And teach your people. Viens enseigner come and ton speak peuple. To your people. Viens parler à ton come peuple. And refresh your people. Viens rafraîchir let ton your peuple. Anointing flow. Que ton onction let coule. Your power be released. Que ta puissance soit let relâchée. Your peace be released. Que ta paix soit Father, relâchée. Père, I thank you for your spirit. Je te remercie pour ton esprit. I surrender this atmosphere. Je soumets cette atmosphère to the heavenly places. Au lieu céleste. I rebuke any spirit. Je chasse tout esprit. That is not confess the name of Jesus qui ne confesse Christ. Pas le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Someone say amen. Que quelqu'un dise amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Hallelujah. Amen. I know most of us we know this story. Je sais que la plupart d'entre nous nous connaissons cette histoire. Hallelujah. Amen. We are going to talk about the word enforcement. Nous allons parler de l'exécution de la parole. L'exécution de la parole. The word enforcement. L'exécution de la parole. How to enforce the word. Comment exécuter la parole. How to impose the word. Comment imposer la parole. Hallelujah. Amen. 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 So last Sunday, donc le dimanche dernier, we spoke about what? The life of God. Nous avons parlé de la vie de Dieu. That came down. Qui est descendu. And we received. Que nous avons reçu. And we received. Et nous avons reçu. The nature of God. La nature de who Dieu. Who remembers that? Qui se souvient? So the Holy Spirit came. Donc l'Esprit de Dieu est venu. Not just for you to speak in tongues. Pas seulement pour que tu parles en langue. The speak in tongues. Le parler en langue. Is just a sign. Un signe. That you receive the life of God. Que tu as reçu la vie de Dieu. But you must manifest this life. Mais tu dois manifester cette vie. Hallelujah. Amen. So we spoke about the life of God. Donc nous avons parlé de la that vie we de received. Dieu, que nous avons reçu. But you need to know that. Mais tu dois savoir as soon que as you receive the life of God. Dès que tu reçois la vie de Dieu. You are empowered to enforce the word. Tu es équipé pour exécuter la parole. Mm-hmm. You are empowered tu es to impose the word. Pour imposer la parole. Hallelujah. Amen. 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 So the written word donc la parole écrite gives us the right nous donne le droit to enforce what God said. Pour exécuter ce que Dieu a dit. And to impose what God said. Et pour imposer ce que Dieu a dit. It gives us a legal ground ça nous donne un droit légal to stand against the devil pour nous tenir devant contre l'ennemi. And to stand against all the kingdom of darkness. Et contre toutes les puissances des ténèbres. Hallelujah. Amen. Why should we enforce the word? Pourquoi devons-nous exécuter la parole? I want you to follow. J'aimerais que vous suiviez. How should we impose the word? Comment devons-nous imposer la parole? Why? Pourquoi?
Because first of all, parce que d'abord, if you want to take note, take note. Si vous voulez prendre note, prenez note. Because sometimes we think we're gonna remember everything. No, it's parce not que true. Parce que parfois nous pensons que nous allons nous souvenir. You must write down. Tu dois écrire. Hallelujah. Amen. Why should we impose and enforce the words? Pourquoi devons-nous exécuter et imposer la parole? Because. Parce que. Number one. Premièrement. The Bible says. La Bible dit. In John 10:10. Dans Jean 10:10. Are you with me? Est-ce que vous John êtes 10:10. Jean 10:10. The thief only comes to steal, to kill, and to destroy. Le voleur vient pour détruire, tuer et arracher. And Jesus said, et Jésus dit, I came, je suis that venu, you may have life, afin que vous ayez la vie, and life in abundance. En abondance. So there is a conflict. Donc il y a un conflit. There is an evil resistance. Il y a une résistance diabolique. Hallelujah. Amen. The thief comes to kill. Le voleur vient pour tuer. To destroy. Pour détruire. To steal. Pour dérober. That is his mission. C'est sa mission. In your life, dans ta vie, that is the mission of the enemy. C'est la mission de l'ennemi. So don't be surprised. Ne sois pas surpris to see de voir that you don't have what you have the right to have. Que tu n'as pas ce que tu as le droit d'avoir. Don't be surprised. Ne sois pas surpris. This is the way. C'est le moyen. This is the way. C'est comme ça. That it is. Que c'est. This is his work. C'est ça, c'est son travail, the son same œuvre. Way you go to work every day. De la même manière où tu vas au travail the tous same les jours. Way every day in your life. De cette même manière tous les jours. The devil, le diable, has the task. Il a la tâche to steal from you. De voler, to de, kill you, de te tuer, and to destroy et de te détruire. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? So when attacks come, donc quand les attaques viennent, you shouldn't be surprised. Tu ne dois pas être surpris. He's just doing his job. Il fait juste son boulot. The question is, la question est, are you doing yours? Est-ce que tu fais le tien? Second, deuxièmement, why do we enforce the word? Pourquoi est-ce que nous devons exécuter la parole? How should we impose the word? Comment imposer la parole? Because, parce que, the fact that, le fait, it is written, le fait qu'il est écrit, it does not guarantee, cela ne garantit pas, that your promise will be fulfilled, que ta promesse sera accomplie. Listen to me. Écoute-moi. That's why many Christians, c'est pour ça que beaucoup de chrétiens, we are disappointed, nous sommes déçus, we are weak, nous sommes faibles, because we don't understand how parce que things nous ne comprenons pas operate. Comment les choses marchent. The fact that it is written, le fait que cela soit écrit, that you will be blessed, que tu seras béni, doesn't guarantee that you will be blessed. Cela ne garantit pas que tu seras en effet béni. It is written, c'est écrit, for you to know, afin que tu saches. And when you know, et quand tu sais, you enforce it, tu l'exécutes, you impose it, tu l'imposes. Okay. Hallelujah. Amen. When you know it, quand tu le sais, now you enforce it. Maintenant tu l'imposes. Do you understand? Est-ce que tu comprends? So if you are someone who doesn't meditate, donc si tu es quelqu'un qui ne médite who doesn't pas, know the words, qui ne connaît pas la parole, you won't be able to stand. Tu ne seras pas en mesure because de tenir. Even know what God is saying. Parce que tu ne sais même pas about ce que this situation. Dieu dit au sujet de cette situation. You cannot afford to be ignorant. Tu ne peux pas te permettre d'être ignorant. Hallelujah. Amen. Why did Jesus come? Pourquoi est-ce que Jésus est venu? To destroy sin. Pour détruire le péché. Hallelujah. Amen. We're going slowly. Nous allons lentement. He came to destroy sin. Il est venu détruire le péché. And to give our inheritance back. Et pour nous redonner notre héritage. What we lost in Eden. Ce que nous avons perdu à Eden. He came to give it us back. Il est venu nous le redonner. And how did he do that? Et comment l'a-t-il fait? The Bible says he appeared. La Bible dit qu'il est apparu. If you put 1 John 3. Si vous mettez 1 Jean 3. Verse 8. Verset 8. What does the Bible say? Qu'est-ce que la Bible dit? The one who practices sin is of the devil. Celui qui pêche est du diable. The one who practices sin is of the devil. Celui qui pêche est du diable. Because the devil has been sinning from the very start. Car le diable pêche dès le commencement. This is why. C'est pour cela. The Son of God. Le Fils de Dieu. Was revealed. Est apparu. Or appeared. A apparu. To destroy. Afin de détruire. The works of the devil. Les œuvres du diable. He appeared. Il est apparu to destroy the works of the devil. Pour détruire les œuvres du so, diable. Jesus also destroys. Donc Jésus aussi détruit.
Hallelujah. Amen. So Satan destroys. Satan détruit. But Jesus also. Mais Jésus aussi. Appeared to destroy. Il est apparu pour détruire. Hallelujah. Amen. He came to destroy. Il est venu détruire. What the enemy does. Ce que l'ennemi fait. He came to destroy. Il est venu détruire. Sin. Le péché. He came to destroy. Il est venu détruire. All the power of darkness. Toutes les puissances des ténèbres. What do you do? Que fais-tu? To allow the word to be enforced. Pour permettre à la parole d'être imposée. Write this down. Écris ceci. You stand on the written word. Tu te tiens sur la parole écrite. Some people may ask. Certains demanderaient peut-être. What if God gave me a special revelation? Et si Dieu me donne une révélation spéciale? Can I stand on it? Est-ce que je peux me tenir dessus? You can stand on it. Tu peux te tenir dessus. As long as you can find it in the written word. Tant que tu peux trouver cela dans la parole écrite. Do you understand? Est-ce que tu Because comprends? You can write and you, God say, okay. You say, God say. Parce que tu peux te lever et tu diras, Dieu a dit. Kill the wife of this man so that you can marry him. Tue la femme de cet homme afin que tu l'épouses. When I was praying, quand je priais, I received, j'ai reçu in my spirit, dans mon esprit that I should kill que je dois tuer the wife of this man, la femme de cet homme because God says, parce que Dieu dit he's my husband. C'est mon mari. Don't you think God has the power to kill ne penses-tu pas que Dieu a la parole de la puissance de détruire, de tuer? So you cannot donc tu ne peux pas base yourself on such a revelation. Te baser sur une telle révélation. What are you going to say? Que dirais-tu? It is written. C'est écrit. Where is it written? Où est-ce écrit? So God, donc Dieu, is not obligated to fulfill what you are saying. N'est pas obligé d'accomplir ce que tu dis. Because it's not coming from His word. Parce que cela ne vient pas de sa parole. So what do you do? Donc que fais-tu? To enforce the word. Pour imposer la parole. You stand on the written word. Tu te tiens sur la parole écrite. Like you see me standing here. Comme tu me vois tenu debout ici. This is the word, the floor. Là, le sol, c'est la parole. I stand on it. Et je me tiens dessus. Hallelujah. Amen. This is my support. C'est mon support. I stand on it. Je me tiens dessus. I speak it. Je la parle. I proclaim it with faith. Je la déclare avec foi. With consistency. Avec consistance. Until I see it. Jusqu'à ce que je le vois se réaliser. If you don't see it. Si tu ne le vois pas. Then you are not done yet. Donc tu n'as pas fini. You must resist the report of the doctor. Tu dois résister le rapport du docteur. You must resist the report of the doctor. Tu dois résister au rapport du docteur. Because you know it doesn't align with what the word is saying. Parce que tu sais que cela ne s'aligne pas avec ce que la parole dit. You don't accept it. Tu ne l'acceptes pas. People of God. De Dieu. Even we Christians today, même nous chrétiens aujourd'hui, there's no difference between us and believers. Il n'y a pas de différence entre nous et les When the croyants. Doctor speaks, quand les docteurs parlent, we believe. Nous croyons. Whose report are we going to believe, God or the doctors? Est-ce que nous croyons au rapport de Dieu ou celui des docteurs? So you stand on the written word. Tu te tiens sur la parole écrite. You don't stand on the reality. Tu ne te tiens pas sur la réalité. You don't stand on your circumstances. Tu ne te tiens pas sur les circonstances. You go back to the word. Tu retournes à and la you parole. Stand on the word. Et tu te tiens I sur guarantee la parole. You, je t'assure. The word will not let you down. Que la parole ne te laissera pas tomber. Aïe 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 aïe. You stand on it. Tu te tiens dessus. Despite of the power of the winds malgré and the storm, la puissance du vent, you stand on the word. Tu te tiens sur la parole. And you resist the devil. Et tu résistes au diable. The doctor say you will die. Le docteur dit que tu mourras. You say it is written. Tu dis c'est écrit. I will not die. Je ne mourrai pas. I will proclaim the works of the Lord. Je proclamerai les œuvres de l'Éternel. This is what is written. C'est ce qui est so écrit. So if what the doctor is saying donc si ce que le docteur is not written, n'est pas écrit, there is no power in it. Il n'y a pas de puissance. Are you with me? Est-ce que tu there is no power in it. Il n'y a pas there de is no substance il n'y a in it. Pas de there substance. Is no stamina in il it. Il n'y a pas de stamina dedans. All the substance les is in the written word. Dans la That's écrite. Why when the devil came at Jesus, le diable, il est venu, he said, do this. Il dit, fais ce he qui. Said, it is written. Il dit, c'est écrit. Do this. Fais ce he qui. Said, it is written. C'est écrit. At some point, à un moment donné, the devil got tired. Le diable était fatigué. He got tired. Il s'est fatigué. Listen. Écoute. When you read the book of Daniel, quand tu lis le livre de Daniel, the Bible says that Daniel, la Bible dit que Daniel he saw in the book
Il a montré dans le livre. He saw in the book. Il a vu dans le livre. What God said. Ce que Dieu a about dit his people. Au sujet de son because peuple. The people of Israel, parce que le peuple they were in captivity, right? Ils étaient en captivité. But it was written. Mais il était écrit. That they were supposed to stay only 70 years. Ils étaient censés rester seulement 70 ans. So Daniel saw that. Donc Daniel a vu. The time was up. Que le temps était arrivé. So the Bible says he went to God. Donc la Bible dit qu'il est retourné. And he stood on the written word. Il s'est tenu sur la he parole said, God, il dit, Dieu, I see something here that is not normal. Because it is written. Parce qu'il est écrit. It is written. Il est écrit. If you don't know what is written, si tu ne sais pas ce qui est you écrit, are in trouble. Tu es dans les problèmes. Are you with me? If you don't know what is written, si tu ne sais pas ce qui est écrit, you are defeated. Tu es, tu es vaincu. Vaincu. Oui, je vais dire, hey, the devil is defeated. The devil is defeated. Nous disons toujours le diable est vaincu. You too, you are defeated. Toi aussi, tu es vaincu. When you don't know the words, quand tu ne connais pas la parole, when you don't enforce the words, quand tu n'imposes pas la parole, you will be defeated. Tu seras vaincu. Not because God is not available. Pas parce que Dieu n'est pas disponible. Because you don't know. Parce que tu ne sais pas. He went back to the book. Il est retourné au livre. It's not because God said. Ce n'est pas parce que Dieu a dit. That you will see. Que tu verras. You have to go back on the word. Tu dois retourner à la parole. You have to enforce it. Tu dois l'imposer. Yes. Because the devil will resist you. Parce que le diable va, va te résister. That's what happened with Jesus. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. The temptation. Et la tentation. Jesus came out of the water of baptism. Jésus est sorti des eaux du baptême. With a word. Avec une parole. The Bible says. La Bible dit. God spoke from heaven. Dieu a parlé du ciel. This is my son. Celui-ci est mon fils. Whom I love. Que j'aime. Everybody heard it. Tout le monde l'a entendu. Everybody heard it. Tout le monde l'a entendu. So the Bible says. Donc la Bible dit. The Holy Ghost pushed him que in le Saint-Esprit the wilderness. L'a poussé dans le désert. So the devil. Donc le diable. Now came to test him. Maintenant il est venu le tenter. To verify. Pour vérifier. Who pushed him in the wilderness? Qui l'a poussé dans le désert? Was it the devil? Était-ce hein? Le est-ce que c'était who, le diable? Who pushed him? Qui l'a poussé? I'm asking who pushed him in the wilderness? Je vous demande qui l'a poussé dans God. Le désert? Dieu. So you see that God is not afraid donc of your attacks. Vous voyez que Dieu n'a pas peur de vos attaques. God Dieu is not afraid. Il n'a pas peur. He's not worried. Il n'est pas il n'est about pas your challenges. De tes par tes défis. Indeed. En effet. He's the one. Il est celui-là. Who opened the door for that to qui happen. Qui ouvre la porte pour because que cela arrive. Because he trusts you. Parce qu'il te fait confiance. Oh no, you don't understand. God trusts us. Dieu nous fait confiance. Because he knows he has empowered us. Parce qu'il sait qu'il nous a équipés. Why should he worry? Pourquoi devons-nous nous inquiéter? Why should he worry? Pourquoi devrait-il s'inquiéter? When he knows you can do it. Quand il sait que nous pouvons le faire. So the devil also. Donc le diable aussi. He came to verify. Il est venu vérifier. I heard. J'ai entendu. You are the son of God. Que tu es le fils if de you Dieu. You are the son si of tu God. Tu es le fils de I Dieu. I heard. J'ai entendu. You are blessed. Tu es béni. If you are blessed. Si tu es béni. I heard. J'ai entendu. You are healed. Que tu es if you are healed. Si tu es guéri. I heard. J'ai entendu. You are fruitful. Que tu es fécond. If you are fruitful. Si tu es fécond. Everything God said about you tout ce que Dieu a dit à ton will sujet be tested. Sera tenté, testé. Follow. Are you with me? Everything God said about you tout ce que Dieu a dit à ton expect sujet expect the devil attends-toi à ce que le diable to come and test it in vienne your life. Te tenter. He will test you. Il te tentera. That's why Jesus has to resist him. C'est pour ça Jésus devait résister au by diable standing on the words. En se tenant sur la parole. He didn't fall into temptation. Il n'est pas tombé dans la tentation. Remember Joseph. Souvenez-vous de Joseph. Joseph said what? Joseph, qu'est-ce qu'il a dit? When the wife of Potiphar came. Quand la femme de Potiphar est venue. She said, "Sleep with me, Joseph." Elle dit, couche avec moi. Nobody Joseph. Will know about personne it. Personne ne saura. Hein? That's what we do today. C'est ce que nous faisons de nos jours. We do what we want to do. Nous faisons ce que nous voulons. Nobody sees us. Personne ne nous voit. But the fact is. Mais le fait est que. God expects you to keep His word. Dieu t'attend à ce que tu gardes sa parole. Will come. La tentation viendra. But mais, do you have the substance in you? Est-ce que tu as la substance en toi?
will not sleep with you. Je ne coucherai pas I avec will toi. Not sin against God. Je ne pécherai pas contre Dieu. Was she the wife of God? Est-ce qu'elle était la femme de Dieu? But he said, mais il a dit, I will not sin against God. Je ne pécherai pas contre Dieu. Because what God has deposited in you, parce que ce que Dieu a déposé en toi, is a guarantee. C'est une assurance of his glory. De sa gloire. And God counts on it. Et Dieu compte dessus. For you to overcome. Afin que tu overcomes. So when temptation comes, quand la tentation vient, God is not worried. Dieu n'est pas inquiet. And you shouldn't fall. Et tu ne devrais pas tomber. I shouldn't fall. Je ne devrais pas because tomber. God knows. Parce que Dieu I sait have what it takes in que me j'ai ce que, to overcome ce the temptation. Dont j'ai besoin en moi de vaincre la tentation. So every time I fall, donc chaque fois que je tombe, it's because I want to fall. C'est parce que je veux tomber. It's not because the devil is too strong. Ce n'est pas parce que le diable est trop fort. We need to stop. Nous devons arrêter giving too much credit to the devil. De donner trop de crédit au diable. And we need to take responsibility. Et nous devons prendre nos responsabilités. Oh, the flesh is weak. Oh, la chair. The flesh is weak. La chair. But my spirit. Mais mon esprit is available. Est disponible. Why don't you rest upon the fact that your spirit is available? Pourquoi est-ce que tu ne t'attends pas sur le fait tu t'appuies pas. Tu ne t'appuies pas sur le fait que l'esprit est disponible. Why don't you rely on the fact that the spirit is available? Pourquoi est-ce que tu ne te penses pas sur le fait que l'esprit est disposé? And you want to lean on the fact that your flesh is weak. Et tu veux t'appuyer sur le fait que la chair est faible. Why is it that we choose? Pourquoi est-ce que elle est trop faible. And the spirit l'esprit is not strong enough. N'est pas assez fort. That's what we have decided. C'est ce que nous avons but décidé. This is not the truth. Mais ce n'est pas la the vérité. Bible just said, la Bible dit, the flesh is weak. La chair est faible. And the Bible said, et la Bible dit, the spirit is available. L'esprit est disposé. So when you study that scripture, donc quand nous étudions cette parole, the word gives more credit to the spirit. La parole donne plus de crédit à l'esprit. The word has given more credit to the spirit. La parole donne plus de crédit à l'esprit. Your flesh is weak. Ta chair est faible. Yes. Oui. But your spirit mais ton esprit is available. Il est disposé. So if you are lying, donc si tu mens, it's because you want to lie. C'est parce que tu veux mentir. It's not because the demon of lies is in your life. Ce n'est pas parce que les démons du mensonge sont dans ta vie. You want to lie. Tu veux mentir. Why do you sin? Pourquoi est-ce que tu pèches? Because you like sinning. Parce que tu aimes pécher. C'est tout. Peut-être. Every temptation, toute tentation, comes with two outcomes. Vient avec deux issues. Shall I continue? Est-ce que je peux today continuer? I don't want to make you jump. I want to tell you the truth. Aujourd'hui, je veux vous dire la vérité. Je veux pas vous faire because there are things we don't preach in churches. Parce qu'il y a des choses que nous ne prêchons pas dans I'm les going églises. To preach it today. Je vais le prêcher aujourd'hui. Every temptation, toute tentation, comes with two outcomes. Vient avec deux issues. Number one, la première, temptation, la tentation, will allow you to be robbed. Va te permettre d'être dérobé, d'être volé. From what was planned in the next chapter of your life. De ce qui était planifié pour le prochain chapitre de ta vie. Listen to me. Écoute-moi. Every time you see a temptation, chaque fois que tu vois une tentation, it means cela veut there dire is a promotion behind. Qu'il y a une promotion derrière. I'm telling you. Je te le dis. Those are things Joseph knew. Ce sont des choses que Joseph connaissait. He knew. Il le connaissait. He knew. Il le savait. He knew. Il le savait. That's why he said. C'est pour ça qu'il a dit, moi. You are beautiful. Tu es belle. You are fine, fine, fine girl. Vraiment, tu es très belle. But the glory that is over there. Mais la gloire qui est là-bas. Shines more than you. Elle brille plus que toi. You know what? Tu sais quoi? I'm not gonna sin against je God. Je ne pécherai pas contre Dieu. Because in God, parce qu'en Dieu, there is my destiny. Il y a ma destinée. I'm not gonna sin against my own destiny. Je ne pécherai pas contre ma propre because destinée. Every time I fall into temptation, parce que chaque fois que je tombe dans la the tentation, devil robs me. Le diable me vole. Of my destiny. Il me vole ma destinée. Think about it. Pense à cela. From today on, à partir de ce when jour, you want to fall into temptation, quand tu veux tomber dans la tentation, you need to know that tu dois savoir you que will lose a grace in your tu perdras une you grâce will lose dans ta a blessing vie. In your life. Tu perdras you une lose your life. Vie, tu every time you fall in chaque temptation, you lose a part of your destiny that you cannot gain back. Que tu ne peux pas reprendre. That is the thing people don't tell you. C'est ce que les gens ne vous disent pas.
You think that those people they were stronger than us? Tu penses que ces gens ils étaient plus forts que nous, Joseph et tous ces gens-là? No. No. But they knew. Mais ils savaient that what was behind. Que ce qui était derrière. Was greater. C'était plus grand. Why would I fall for you? Pourquoi devrais-je tomber pour toi? When there is better ahead. Quand il y a meilleur devant. Tell your neighbor. Dis à ton voisin. There is always better ahead. Il y a toujours meilleur devant. There is always better ahead. Il y a toujours meilleur devant. Yes, temptation comes. Oui, la tentation with vient. With two outcomes. Avec deux issues. First, la première, to rob you pour te voler from what was planned for the next chapter of your life. Pour le prochain chapitre de ta vie. Amen. Amen. Second, la deuxième issue. In case you succeed. Dans les cas où tu réussis. In case you succeed. Dans le cas où tu réussis. To resist the devil, à résister au diable, you get promoted. Tu reçois une promotion. Luke 4, 13 says this. Luke 4, 14. 13. 13. Luke 4, 13. Luke 4, 13. Read with me. The Bible says, when the devil had finished all this tempting, après l'avoir tenté de toutes ses manières, he left him. Le diable s'éloigna de lui opportune time. Jusqu'à un moment favorable. Listen to me. Écoute-moi. As long as you will be on earth, tant que tu seras sur terre, you will be tempted. Tu seras tenté. You must know that. Tu dois le savoir. You must expect that. Tu dois t'attendre and à you cela. Must be ready. Et tu dois être prêt before it comes. Avant que cela ne vienne. Hallelujah. Amen. The devil also gets tired, my people. Le diable aussi, il se fatigue. You need to know. He gets tired. Tu dois le savoir, il se fatigue. When you resist him too much, he gets tired. Quand tu résistes au diable tellement, il se fatigue. The Bible says. La Bible dit. He says this. Il dit ceci. Jesus says this. Jésus dit he cela. Says this. Il dit Jesus ceci. Says, Jésus dit cela. He said, please. Il dit pardon. I beg, don't waste my time. Ah, pardon, ne me perds pas Let le temps. Let me go play somewhere else. Attends, je vais quelque part. Because d'autre. You know too much. Parce que tu connais trop de choses. I can't play with you. Je peux pas jouer avec toi. Let me play with those. Attends, je vais jouer avec ceux-là. Those, I hope you are not part. J'espère those, que tu ne fais pas partie de ces gens-là. He plays with us like we are toys. Il joue avec nous comme si nous sommes des jouets. As soon as you see a tight, dès que tu vois une cuisse, you fall. Tu tombes. As soon as you see money. Dès que tu vois l'argent, you are the Christian in your company. Tu es le chrétien dans ta compagnie. And you are the one stealing the money. Et are you, tu es celui-là qui vole l'argent. Crazy? Tu es malade? Are you crazy? Tu es fou? How can you spoil the name of God like that? Comment est-ce que tu peux gâter le nom de Dieu comme ça? You say no. Tu dis since non. I have been in church, they did not do my deliverance, you know. So I have a spirit of, you know, I have to rob. If I don't rob, I don't voler, feel myself. It moi, is a spirit. It's not a spirit. Esprit, ce n'est pas when you have accepted Christ, when you have accepted Christ, you have been set free. Tu as été libéré. You are free. Tu es libre. Why are we justifying pourquoi est-ce que nous justifions our weaknesses? Nos faiblesses. Amen. Yes, you have weaknesses. Oui, tu as des faiblesses. But the spirit is available. Mais l'esprit est disposé. Amen. Otherwise, sinon, how can we prove we are from God? Comment pouvons-nous prouver que nous sommes de Dieu? If we do the same thing, si nous faisons les mêmes that choses. Unbelievers do. Why did we receive the Holy Spirit? Pourquoi avons-nous reçu le Saint-Esprit? Is it just to rabashaka brata injarabaseko boto yata? When you are finished doing that, quand tu as fini de parler en what langue, is the substance that you have inside quelle of substance you? As-tu en toi? We come to church. Nous venons à l'église. We fill the churches. Nous sentons. We fill the churches. Oh, nous remplissons les églises. But when we go out, mais quand nous partons, nous we sentons. We are the same as unbelievers. Nous sommes les mêmes, pareils que les non-croyants. No substance in us. Aucune substance en nous. Same temptation, same falling. Everybody falls. Même tentation, nous tombons tous. So why did you receive the Holy Spirit? Donc pourquoi as-tu reçu le Saint-Esprit? When the devil had finished, quand le diable a fini, all this tempting, toutes ces tentations, he left him. Il est parti. And verse 14, the Bible says. Au verset 14, la Bible then dit. Then Jesus returned to Galilee in the power of the Spirit. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée. And news about him spread. Et sa renommée se répandit. And people started praising him. Et les gens ont commencé à le louer. Every time you will succeed to the temptation. Chaque fois que tu vas vaincre la tentation. There will be a promotion. Il y aura une promotion pour toi. So don't see what is going on right now. Donc ne regarde pas ce qui se passe maintenant. I
Ask yourself. Demande-toi. Why is it that pourquoi this temptation has come? Cette tentation est venue. Please. Never forget this sermon. N'oublie jamais ce sermon. Every time you are facing a temptation, chaque fois que tu fais face à une tentation, if you fall, si tu tombes, you lose your blessing. Tu perds ta bénédiction. If you put that in your mind, si tu mets cela dans ton esprit, it will give you the strength. Ça te donnera la force. To say no. De dire non. No. Non. I'm not doing it. Je ne le ferai pas. Not because you are strong. Pas parce que tu es but you know who fort, you are. Mais tu sais qui tu es. Mm-hmm. You don't play with sin. Tu ne joues pas avec le péché. Sin will complicate your life. Le péché va compliquer ta vie. You're gonna ask me, we're talking about enforcing the word. Vous allez me dire, on parle d'imposer la parole. And you're talking about sin. Et on parle du péché. Yes. Oui. It goes together. Ça va ensemble. How can you enforce the words? Comment peux-tu imposer la parole? When you don't have the nature of the word. Quand tu n'as pas la nature de la parole. Sin will complicate your life. Le péché va compliquer every ta vie. Every time you will sink chaque in fois sin, que tu vas sombrer dans le péché, you give strength to the enemy. Tu donnes la force à l'ennemi. It gets bigger. Il devient it gets plus grand. Bigger. Il devient plus it grand. Gets bigger. Plus grand encore. You feed him with your sin. Tu le nourris de ton péché. Your sin is food to the ton devil. Péché est la nourriture au diable. It gets stronger. Il devient plus fort. And you get weaker. Et tu deviens plus faible. People, peuple, don't reinforce the resistance of the enemy. N'impose pas la résistance. Don't reinforce. Ne renforce ne pas. Ne renforce pas. The resistance of la the résistance enemy. De l'ennemi. It will listen. Et whether you like it or not, it will resist you. Okay. Que tu l'aimes ou pas, il va te résister. That's a fact. C'est un fait. But don't give him more strength. Mais ne lui donne pas plus de force. Do you understand? Est-ce que tu comprends? Every time you dwell in sin, chaque fois que tu demeures dans le péché, he gets more power. Il devient plus puissant. You are the one. Tu es celui-là. Giving him qui lui donne food de la nourriture to get fat in your life. Pour devenir gros et gras dans ta vie. It's like you are giving certain fuel. In his car. C'est comme si tu lui donnes de l'essence dans sa voiture. He said, hey, certain. So you don't have gas money. Tu n'as pas l'argent du gaz, de l'essence. Take. Ok, prends. Put gas and run after me, ok? You need to pursue me. Et puis, pursue me well. Cours après moi. Hein? So you have a problem with your speed? Non, tu as un problème avec ta vitesse. Take. Prends l'essence. Take it. Prends l'essence. Pursue me well, oh. Vraiment. And get me. Poursuis-moi. And kill me. Attrape-moi. And destroy my life. Détruis ma vie. Do you understand? Est-ce que tu comprends? Take. Prends. That's what we are doing. C'est ce que nous faisons. He's not that powerful. Il n'est pas si puissant. Yes, he has power. Oui, il a de la puissance. But he's not that powerful. Il n'est pas aussi only puissant. One is almighty. C'est seul Dieu tout puissant. Only one is almighty. Seulement un est tout puissant. It is your God. C'est ton Dieu. And you have him inside of you. Et tu l'as au-dedans de and toi. And you are telling me. Et tu me dis. Oh, there is a demon fighting me, you know. Démon qui me combat. Every time I want to see what is right. Chaque fois que je veux faire ce qui est bon. So you're gonna stay like that until you die. Tu vas demeurer comme ça jusqu'à ce que tu meurs. I'm asking you. That's what you're gonna do. Est-ce que you are going to practice sin. Pratiquer le péché. That's what you're gonna do. Est-ce que tu veux faire? The Bible says. La Bible dit. 1 John 3:9. 1 Jean 3:9. Mm-hmm. Anyone born of God refuses to practice sin. Quiconque est né de Dieu refuse de pratiquer le péché. Mm-hmm. Now we need to know which side we are on. Maintenant nous devons savoir de quel côté nous sommes. The Bible says, la Bible dit, anyone who is born of God quiconque est né de Dieu refuses refuse to practice de pratiquer sin. Le péché. Because God's seed abides in him. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. The Bible says he cannot go on sinning. La Bible dit, il peut pas continuer à pécher. It's impossible. Il ne peut pas, cela est impossible. I want you to think about your life. J'aimerais que tu penses à ta vie. Not only see sexual immorality as ne regarde pas seulement no. There is a whole le péché sexuel. When you are here, you cannot forgive your brother. Tu es ici, tu peux pas pardonner ton frère. You are a big sinner, big un one. Grand pécheur. Grand. Wicked. Méchant. You are very wicked. Oh no, you don't know what they did to me. Oh, tu sais pas ce qu'ils m'ont fait. I don't want to know. Je veux pas savoir. Just forgive.
Pardonne tout because simplement. God has forgiven you. Parce que Dieu t'a pardonné. That's a big sin. C'est un grand péché. To hold grudge against people. De garder dent contre les gens. You are wicked. Tu es méchant. God has released you. Dieu t'a relâché. Release also people. Toi aussi relâche les autres. You cannot continue. Tu ne peux pas continuer. You are in church. Tu es à l'église. Hey Jean-Pierre, you are in church. Oui, tu es à l'église. You play the keyboard. Tu joues au piano. But you don't like Nicolas. Mais tu n'aimes pas Nicolas. You are wicked. Tu es méchant. And you are here. Hallelujah. It's not him. Hallelujah. You see how hypocrite we are. Vous voyez comment nous sommes hypocrites. It's not just sexual immorality. Ce n'est pas juste le péché. All the big sins that you know. No. Tous ces grands péchés que nous connaissons, non. We here. Nous ici. If God want to open our file, si my dossier. Hey, sha. Yeah. Maybe I don't commit sexual immorality. Peut-être que je ne fornique pas. But I am wicked. Je suis méchante. I don't share what I have. Je ne partage pas ce my que money j'ai. Is my money. Mon argent, c'est le mien. Hein? I preach here. Je prêche. But when it comes to my mind, il s'agit de mon don't argent. Touch. Personne ne touche. God sees me, say, you are wicked. Dieu me voit et dit, tu es méchante. Oh, she spoke to me this way. I don't like the way she spoke to me. I am a bigger sister. Je suis la grande sœur. And so what? Et alors? You're supposed to be humble. Tu dois être humble. Humility precedes glory. L'humilité précède la gloire. Pride precedes to fall. L'orgueil précède la chute. You are proud. Tu es orgueilleux. You are bad. Tu es mauvais. The seed of God is in you. La semence de Dieu est en you toi. You cannot keep on sinning. Tu ne peux pas continuer you cannot à pécher. Keep sin in your life. Tu ne peux pas continuer le garder if le péché keep dans sin ta vie. In your life, si tu gardes le péché dans it ta means vie, you are not born of cela God. Veut dire que tu n'es pas né de Dieu. So you need to check your salvation. Donc tu dois vérifier ton salut. Aïe aïe aïe. The nature of God is the life of God. La nature de Dieu est la vie de Dieu. Not the natural life you know, the limited life. Pas you know. La no, vie no, no, no. Naturelle, la vie limitée, the non. Unlimited life of God. Mais la vie illimitée so de you Dieu. Can do everything. Donc tu peux faire toutes that's choses. That's what the Bible says. Parce I can do everything through Christ that strengthens me. C'est pour ça la Bible dit que je peux faire tout par celui qui me fortifie. I can forgive you. Je peux te pardonner. I can decide not to fall into sexual immorality. Je peux décider de ne pas tomber dans la fornication. It's up to me. Ça dépend that's de what moi. The Bible says. C'est pour the one who is born of God, celui qui est né de Dieu, refuses refuse to practice de pécher, sin. De pratiquer le péché. You know when they say practice. Vous savez quand ils disent pratiquer. It means you do it continually. Cela veut dire que tu le fais continuellement. Not that you fell. Pas parce que non que tu es tombé. But you remain on the floor. Mais tu demeures par terre. You have remained on the floor. Tu es resté par terre. That's what we call practicing. C'est ce que nous appelons pratiquer le péché. Because once you fall. Parce que dès que tu tombes. You get back up. Tu peux te lever. And you say, oh no. Et tu dis non. Oh non, Lord, non, I'm non. Sorry. That's not my nature. That's not ce me. N'est pas ma nature. Ça, I wasn't supposed to do that. Je n'étais pas censé you go back to the word. Tu retournes à la parole. But you cannot stay over mais there. Tu peux pas demeurer par if terre. If you stay over there, si tu demeures the Bible par terre, says la Bible dit, you are not born of God. Tu n'es pas né de Dieu. I know many won't like this word, but it's je sais que beaucoup n'aimeront pas cette parole. If you have the humility to receive it. Si tu as l'humilité de le recevoir, de la recevoir. It will change your life. Elle changera ta vie. The word must be practiced. La parole doit être pratiquée. Your ability to keep the word of God. Ton habilité à garder la parole is proportional de Dieu. Elle est proportionnelle to the love you have for God. À l'amour que tu as pour Dieu. That's what the Bible says. C'est pour ça que la Bible dit. Jesus said. Jésus a dit. If you love me, si tu m'aimes, keep my commandments. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. If you love me, si vous m'aimez, keep my commandments. Gardez mes commandements. So you cannot say you love God. Non, tu ne peux pas dire que tu aimes and Dieu. And you dwell in sin. Et tu demeures dans and le you péché. Practice sin. Et tu pratiques le from péché. From Monday to Sunday. De lundi à dimanche. Maybe for a little respect for God, you don't touch Sunday. Peut-être par respect pour maybe. Un peu de respect pour Dieu, tu ne maybe. Touches pas dimanche peut-être. But when we say Friday night, vendredi nuit. Hey, c'est gâté. You clove another nature. Tu prends une nouvelle nature. You are in the streets. Tu es dans les rues. You are in the nightclubs. Tu es dans les boîtes de nuit. Tu fais la fête. Sunday. Dimanche. You take your Bible. Tu prends ta Bible. Rima, ma chata. Et puis tu parles en langue. Oh yes, preach, pastor. Hallelujah. Oh, prêche, pastor. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Hey, the
That's what we are doing. C'est ce que nous faisons. That's why God on his throne. C'est pour ça que Dieu est sur son trône. He's waiting on us. Il nous attend. For us to get more serious. Que nous devenons plus sérieux. And the fact is, et le fait est que God is eternal, you are not. Dieu il est éternel, mais toi tu so ne l'es if pas. You choose donc, si tu choisis to dwell in sin, de demeurer dans le péché, this is your choice. C'est ton choix. You will give account to God for that. Tu vas rendre compte à Dieu pour cela. Oh, trust me. And the thing is, la, you don't know when death will strike. Tu ne sais pas quand la mort reviendra. As soon as you close your dès que eyes, tu fermes tes yeux, you are facing the throne. Tu fais face au trône. What are you going to tell him? Que diras-tu? No, my flesh was weak. Non, ma chair était faible. You did not give me the strength. Tu m'as pas donné la force. What did you do with the Holy Spirit? Qu'as-tu fait avec l'Esprit de Dieu? Hey, we have no excuse. Nous n'avons pas d'excuses. You know what they did to me when I was a child? Est-ce que tu sais ce qu'on m'a fait quand j'étais enfant? I need to avenge myself. Non, je dois I need to make them pay. Ah, je dois les faire payer. Ah bon? Really? You want to make them pay? Tu veux les faire payer? Can you pay the wage of sin? Peux-tu payer le salaire du péché? Can you? Peux-tu? If you can pay that. Si tu peux payer cela. Then avenge yourself against your enemies. Alors prends revanche contre tes ennemis. But if you know, mais si tu sais, that you yourself you need mercy, que toi-même tu as besoin de miséricorde, release them. Relâche. I said release. Je dis relâche. Let them go. Laisse-les partir. So that God will also let you go. Afin que Dieu te laisse partir aussi. We are wicked. Nous sommes méchants. You stand in the word. Tu te tiens dans la parole. That's number two. C'est la deuxième chose. The first one was. La première, elle you était, stand on the word. Tu te tiens sur la parole. The second one. La deuxième chose. You stand in the word. Tu te tiens dans la parole. The first one. La première. Was the written word. C'était la parole écrite. That you stand on. Sur laquelle tu te tiens. The second one. La deuxième. Is the very person of Jesus. C'est la personne elle-même that de Jésus. That you stand in. Dans laquelle tu te tiens. The blood will speak for you. Le sang parlera pour toi. You just need to hide inside of Jesus. Tu as juste besoin de te cacher dans Jésus. People of God. Peuple de Dieu. I cannot condemn you. Je ne peux pas te condamner. I know we are on a word of temptation. Je sais que nous sommes dans un monde people de tentation. People sin every day. Les gens pêchent tous les but jours. But God sent me to tell you. Mais Dieu m'a envoyé this te is dire, not your nature. Ce n'est pas ta nature. To dwell in sin. De demeurer dans le péché. You can't dwell in sin. Tu ne peux pas demeurer and say dans you le are péché a man of God. Et dire que tu es un you homme can't de Dieu. Dwell in sin. Tu ne peux pas demeurer and dans say le you péché. Are a Christian. Et dire que tu es chrétien. If you do that. Si tu le fais. Your salvation is questioned. Ton salut est mis en question. Yes, you stand on the word. Oui, tu demeures sur la parole. But you must stand in the word. Mais tu dois demeurer in the presence of Jesus. Dans la parole, he said, dwell in me. De Jésus, he said, dwell in me. And you shall bear fruit. Et vous porterez des for fruits. I am telling you, parce que je te le without dis, me, sans moi, you guys cannot do anything. Vous ne pouvez rien faire. He said that. Il a dit. Jesus said, Jésus dit, without him, sans lui, we cannot do anything. Nous ne pouvons rien he said faire. What? Anything. Il dit he did not say there are some things il n'a pas dit qu'il y a des choses that you will be able to do. Que nous serons en mesure no, 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 no. But non. As soon as you gave your life to Christ, dès que tu donnes he said, dwell in me. Il dit, demeurez it means en moi. Don't get out of me. Ce qui veut dire, ne sortez pas de moi. Don't get out of me. Don't get out of me. But dwell in me. If you dwell in me, you will bear fruit. And my Father will be glorified. Sera glorifié. We are here nous sommes ici to give glory to God. We are here to show the world that there is a God who loves us so much that he sent his Son so that whoever believes in him will not perish. He will not perish. But he will have eternal life. And you hear and you are telling me that you cannot have dominion over sin. Tu ne peux pas avoir la domination sur le péché. Help us, Lord. Aide-nous, Seigneur. God. Help us. Aide-nous. Can we worship a little? Est-ce que nous pouvons adorer un peu? Ask the strength. Demande la force. Of God.
à Dieu. To be manifested in your life. Pour être manifesté, pour se manifester dans ta vie. I want to hear your voice. Je veux t'entendre parler. Wherever you are right now. Où que tu es maintenant. Recapratas. Prie maintenant. Demande à Dieu de te donner la force. Recapratas. Alléluia. Rimaitase. Oh God. It's a decision. C'est une décision. That you have to make. Que tu dois faire. Let the blood speak for you. Que le sang parle pour toi. You can't do it by your own strength. Tu ne peux le faire par ta propre force. But you can do it through Christ. Mais tu peux le faire par Christ. Oh God. Help us. Aide-nous, Père. Resist the devil. À résister au diable. Sharabasi. Rekabrata. Rimaitabasi kiribi. Derebesi. Hey! He said, resist the devil. Il dit, résistez au diable. And he will flee from you. Et il fuira loin de vous. Submit yourself to God. Soumettez-vous à Dieu. Yes. Put that scripture. Mettez ce passage. Yes, continue. Put that scripture. Mettez ce passage. James 4. Jacques 4. 6 to 8. 6 à 8. The Bible says. La Bible dit. But he gives us more grace. Il a au contraire une grâce plus this is why it says c'est pour ça l'écriture God dit, opposes the proud Dieu résiste aux orgueilleux, but he gives grace to the humble mais il fait grâce aux humbles. Submit yourselves soumettez-vous donc to God à Dieu. Resist the devil résistez au and he will flee from you et il fuira loin draw de near to God approchez-vous de and Dieu. God will draw near to et you il s'approchera de cleanse vous. Your hands nettoyez vos mains sinners, pécheurs, purify your hearts. Purifiez vos cœurs. You double-minded. Homme irrésolu. Aïe 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 aïe. It means. Cela veut dire que my salvation, mon salut, and my victory, et ma victoire, reside, demeure, in my decision. Dans ma décision. Because it says. Parce qu'il dit. Double-minded. Vous homme irrésolu. It's like you have two minds. C'est comme si tu as deux pensées. You have the mind of Christ. Tu as la pensée de and Dieu. And you have the mind of the word. Et tu as la pensée du now monde. Now you need to decide. Maintenant tu dois décider. In which minds? Dans quelle pensée? You are going to stand. Tu veux demeurer? Are you going to choose? Est-ce que tu vas the mind of the Lord of Lords. The one who shed his blood. Or are you going to choose? Tu vas choisir. The mind of the prince la of this world. Rabba Shakabrata. The Bible says la Bible the one who is friend of the world who is a friend of the world qui a peur du monde, who is a friend, qui a a friend ami du monde, is enemy of God. Il est ennemi de Dieu. How can we preach Jesus comment pouvons-nous prêcher and fight Jésus Jesus et combattre Jésus? Masha Kabrata. God needs to help us. Dieu doit nous aider. And I have a good news. Et j'ai une bonne nouvelle. The Spirit is available. L'esprit est disposé. And the Spirit of God is available. L'esprit de Dieu you just need to decide. Tu dois juste disposer. The mind you want to walk tu dois in. Décider quel, avec quelle pensée tu veux marcher. You can't practice sin. Tu ne peux pas pratiquer le péché. And say you are of God. Et dire que tu es de Dieu. You are a liar. Tu es un menteur. How many times have we lied? Combien de fois avons-nous menti? To ourselves. À nous-mêmes, nous avons menti. It is time. Il est temps. That we live the life of lies. Que nous laissons la vie du mensonge. And we embrace the life of truth. Et que nous embrassions la vie de la vérité. Stand in the word. Demeure dans la parole. You don't keep God's commandment by your own strength. No. Tu ne gardes pas les commandements de Dieu par ta Christ is your righteousness. Christ est ta justice. That's why he says you cannot do anything without me. C'est pour ça il dit que tu ne peux rien sans you lui. Can't. Tu ne peux pas. He will give you grace. Il te donnera la grâce. According to James 4. Selon Jacques 4. He will give you grace. Il te fera grâce. The grace comes la grâce vient to make you do pour te faire what faire normally you couldn't do. Ce que normalement tu pouvais pas faire. So normally you and I non, normalement toi et moi, we can't resist sin. Nous ne pouvons pas résister but the Bible says mais la Bible dit, he gives us grace. Il nous donne la grâce. All we need to do is to submit besoin. Ourselves to God soumettre and à Dieu the devil et le diable will flee from us fuira loin if de we lui. Resist him. Si nous lui résistons. Can you resist? Est-ce que tu peux résister au Can diable? You start resisting? Est-ce que tu peux commencer à résister au diable? Hein?
Can you start resisting? Est-ce que tu peux commencer? Knowing that, sachant que, after your success to the temptation, après que tu aurais réussi à vaincre la tentation, your elevation is there. Your promotion is there. Ta promotion est là. Ton élévation. Alléluia. Never forget. N'oublie jamais. Every time you fall, chaque fois que tu tombes, you lose. Tu perds a blessing. Une bénédiction. You decrease. Tu diminues your destiny. Ta destinée. Keep that in your mind. Garde cela dans ta pensée. When enforcing the word, quand imposer la parole, when enforcing the word, quand tu es en train d'imposer la parole, you need to make sure, follow me, I'm going to finish with that. Tu dois t'assurer que that you have nothing of the devil in you. Que tu n'as rien du diable en toi. That's what Jesus said. Parce que Jésus, il a dit. John 14:30. Jean 14:30. Yes, ma'am. He said, I will no longer speak to you guys about those things. Il dit, je ne vous parlerai plus de ces choses. For the prince of this world, car le prince du monde vient, and he has nothing in me. Et il n'a rien en moi. Other versions say, d'autres versions disent, he has no claim. Il n'a pas réclamé. He has no claim on me. Il n'a pas de pouvoir. Il ne peut pas me réclamer. Il ne peut pas me réclamer. Oh my God. Why is it that today even the wizard, the witches of our family, de nos jours, même les sorciers de nos familles, they have the power to claim us? Ils ont la puissance de nous réclamer. Because when they check spiritually, parce que quand ils vérifient spirituellement, there are things of the devil in our lives. Il y a des choses du diable dans nos vies. So they have the power. Donc ils ont la puissance to claim us. Pour nous réclamer. Jesus says, Jésus a dit, the prince of this world, que le prince de ce monde, he comes, il vient, but he has nothing in me. Mais il n'a rien en he moi. He has no claim on me. Il ne peut pas me réclamer, il n'a rien en moi. My God. Alléluia. Hey, that's why you and I. C'est pour ça que toi et moi. Because we have two minds, we are double-minded. Parce que nous sommes irrésolus, nous avons deux pensées. We have the mind of Christ. Nous avons la pensée de Christ. We have the mind of the Word. Nous avons la pensée du monde. When the devil comes, quand l'ennemi, le diable, vient, he finds in us, il trouve en nous, his nature, sa nature, and he gives him legal ground. Et cela lui donne un droit légal. Listen to me. He gives him legal ground. Ça lui donne un droit légal. To take from our life what he wants. De prendre de notre vie ce qu'il veut. That's what is happening. C'est ce qui se passe. So if you want to keep on seeing the same failures in your life. Donc si tu veux continuer à voir les mêmes échecs dans ta vie. Do not resist the devil. Continue. Ne résiste pas au diable, continue. Live the way you live. Continue de vivre comme tu vis. You will never see God's deliverance. Tu ne verras jamais la délivrance de Dieu. You must stand in Christ. Tu dois demeurer en Christ. Satan has no authority. Satan n'a pas d'autorité. And no legal right. Et pas de droit légal. To destroy you. Pour te détruire. When you stand in Christ. Quand tu demeures en Christ. In the words. Dans la parole. Who is Christ? Qui est Christ? Because the word covers you. Parce que la parole te recouvre. The word hides you. Parce que la parole te cache. The word speaks for you. Parce que la parole parle pour toi. Rise on your feet. Tiens-toi debout. I want you to proclaim with faith and power. J'aimerais que tu proclames avec foi et puissance. Father. Père. Give me the grace to resist the devil. Donne-moi la, fais-moi grâce pour que je résiste au the diable. The key is in the consistency. La clé est dans la consistance. Monday the devil will come. Lundi le diable viendra. Maybe you won't fall. Peut-être que tu ne tomberas pas. Tuesday. Wednesday, maybe you won't fall. Mardi, mercredi, peut-être tu ne tomberas but pas. The thing is that mais la chose est que you should never fall. Tu ne dois jamais tomber. Or if it happens, ou si cela arrive that you fall, que tu tombes, as soon as you fell down, dès que tu es tombé, get back on your feet. Lève-toi. That's what the Bible says. C'est pour cela que la Bible seven dit, times the righteous will fall. Sept fois le juste tombera. Seven times God et sept fois Dieu will take le relèvera. Amen. And actually, seven times, sept fois, the righteous will rise. Le juste se lèvera. Amen. So I'm not telling you. Non, je ne te dis pas. That if you have sinned one time, que si tu as péché it's over fois, for you. No, c'est no, fini no, no, pour no. toi. Non. If it was the case, eh, si c'était le cas, all of us will be. Tous ici, c'était fini. Because pour John nous. Said. Parce que Jean a dit. If we say, si nous disons, that we have no sin, que nous n'avons pas de péché, we make God liar. Nous faisons de Dieu un menteur. So he's not just talking about you committed a sin. No. Il ne parle pas juste de non, toi tu as péché. He said you practice sin. Il dit tu pratiques. You make péché. Of it your job and your career. Tu fais de cela une carrière. You lie that much to the point where we call you a liar. Tu mens tellement qu'on t'appelle un menteur.
You rob so much that we call you a robber. Tu voles tellement qu'on t'appelle voleur. When you practice something, quand tu pratiques quelque chose, you become the thing. Tu deviens la chose. So how can you fight the devil? Donc comment peux-tu combattre when you practice the nature of the devil? Quand tu pratiques la nature du diable. Raise your voice. Élève la voix. Say, Father, dis Père. Today, I'm not going to pray for you. Je ne prierai I'm just pas leading, pour toi. Leading you. Je te conduis juste dans la say, prière. God, dis Père, I want to choose today. Je veux choisir aujourd'hui. If you want 2020 to be different, si tu veux que 2020 soit différent, change your walk with God. Change ta marche avec Dieu. You will see et tu verras that wherever the devil was resisting you, que là où le diable te résistait, at some point, à un moment donné, he will flee. Il va s'enfuir. And that blessing you were looking for et cette bénédiction que tu will show up at your door. You say, elle viendra devant toi. I have been here for so long. Where have you been? Ici, mais où étais-tu? Where have you been? Où étais-tu? I was waiting for you. Je t'attendais. I'm telling you. Je te le dis. Stand on the word. Tiens-toi sur la if parole. They say you are barren, si ils disent que tu es stérile, tell them. Dis-leur. It is written. C'est écrit. There shall be no barren in my house. Il n'y aura pas de femme you stérile stand dans on it. You stand on it. The word will not let you down. La parole ne te fera pas tomber. Stand on it. Tiens-toi dessus. Stand on it. Tiens-toi dessus. And dwell in Jesus. Et demeure en Jésus. God bless you. Que Dieu vous bénisse.